Voilà, mesdames, messieurs, faites la continuer. Gagnez, président républicain, son excellence Jovenel Moïse, le premier ministre Docteur Jacques Lafontaine, la première dame de la République, madame Martine Moïse, sans compter l'autre membre de notre gouvernement qui vient saluer et faire photo souvenir à deux équipes, police dominicaine et police nationale d'Haïti. 23 ans par 23 mois, 23 ans par 23 heures, 23 ans également par 23 jours, ni par 23 semaines non plus. Eh bien, président de la République là, qui est conscient de qualité de travail que PNH l'a fait, eh bien, rendu ici au Parc Sainte-Thérèse. Donc, on a frappé ce jeudi à que lui vini sauti dans le pays Canada après participation dans ce sommet G7 là. Eh bien, président, qui est conscient de travail PNH l'a fait, une fois qu'il est rentré, il est rendu ici là, dans le parc Sainte-Thérèse. Photo souvenir, la première dame de la République, Martine Moïse, le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, le chef du gouvernement, Dr Jacques Lafontaine, et divers membres du gouvernement, policiers, directeur général PNH là, Michel-Ange Gédéon, eh bien, yo tout, yo même yo là. Yo tout yo présent, Nabgade là, c'est la fête, c'est l'ambiance ici au parc Sainte-Thérèse de Pétionville. C'est toute une équipe, et c'est toute quand même une télévision qui motivée pour être capable de permettre ou vivre. Et point fort ça, et point fort dans le cadre 23e anniversaire, dans le cadre 23e anniversaire, célébration. Police nationale d'Haïti, président de la République là, qui a le salut notre point encore, eh bien monsieur yo, pour la qualité de travail que yo a fait dans le pays. Donc servir, protéger la PNH, reste fidèle à sa mission. Voilà, c'est président de la République là, excellence Jovenel Moïse qui dit monsieur Kembela. Voilà, c'est président qui a continué avec salutation yo. Oui, là, salut également monsieur Dominique Yo, qui est également ministre planification et coopération externe, maître Aviol Fleurant, qui est présent. On a regardé là, pendant que Rodi Audois, lui-même, continue à performer. Mais il y a une photo souvenir qui a continué sur pelouse Parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Jeudi, hein, c'est dimanche 10 juin 2018, nous présents à vous pour nous faire vivre comment ça est ici là, dans mon appareil là, dans le parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Président qui a félicité encore une fois monsieur PNHO, qui a dit Kembela, l'a parlé également avec monsieur Dominique Yo. Et qui te vin jouer match de Galasila avec équipe police nationale d'Haïti. Voilà, salutations yo à continuer ici au parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Président République la rentrée Jodia, sorti Canada après participation dans le sommet G7 là. C'est Jodia même les rentrées, une fois qu'il est rentré. Et bien, il est conscient de travail que l'institution policière a fait dans le pays. Il était venu porter support. En fait, il était venu par présence, accompagné de première dame républicaine, madame Martine Moïse, premier ministre, docteur Jacques Lafontaine, et plusieurs membres dans le cabinet ministériel. Ils sont même présents ici au parc Sainte-Thérèse de Pétionville pour marquer 23e anniversaire. Si là, il y a un championnat de basketball que PNH a été organisé. Ensuite, il y a été réalisé un marathon jeudi qui était sorti depuis Peace Aviation, quand même qui passait sur route aéroportant, qui descend Maïgaté, qui passait Gérald Bataille, qui quand même passé Cafou Fleurio au état qui talbout devant base Bimna, nan Claircine, et nan moment que m'a parlé à la
dans Pétionville, côté yon l'autre activité sportive de fête, c'était un match de gala entre la police nationale d'Haïti et la police dominicaine. Un match que les policiers nous battent 3-0. Tenez ça bien, 3-0. Yon l'autre police, 23 ans. C'est slogan PNH là, dans l'occasion nouvelle et bien anniversaire si là. Oui, président qui toujours occupé. Donc, pelouse là, premier ministre là également. Photo souvenir a continué fête. Oui, quand même, c'est la joie. C'est la joie. Plusieurs mounes étaient présents. Oui. Eh bien, c'est comme ça, ça a déroulé. Ici, là, dans le parc Sainte-Thérèse, Pétionville. C'est comme ça que l'activité yo a déroulé. Président qui se route pour quitter Pelouse là. Voilà, le président de la nation, son excellence Jovenel Moïse, accompagné de la première dame Martine Moïse. Salutations à continuer. Voilà, ces coupes présidentielles là qui a préparé pour quitter Pelouse, parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Eh bien, TNH qui présent pour le faire vivre contre Silla. Voilà, coupe présidentielle là qui quand même a préparé yo pour yo quitter Pelouse, parc Sainte-Thérèse. Non, bon, on a parlé à la. Oui, président République là, excellent Jovenel Moïse. Non, on va parler à la quitter Pelouse là. Quand même, la prendre l'autre direction. Ministre Justice là, Oudi Ali, premier ministre là, donc Jacques de La Fontaine. Oui, c'est quelques parmi monde qui présent dans le cabinet ministériel là, sans compter ministre jeunesse sport et action civique là, madame Régine Lamure. Oui, quand même en pile l'ambiance, il y a une ambiance festive ici au parc Sainte-Thérèse de Pétionville. La police nationale d'Haïti a battu la police dominicaine sur le score de 3-0 ici au parc Sainte-Thérèse à l'occasion du 23e anniversaire équipe police nationale d'Haïti. Donc photo va continuer puisque c'est un nouveau anniversaire. Quand même, ça a marqué 23 ans, nous t'ai dit déjà, n'est pas 23 jours, n'est pas 23 secondes, n'est pas 23 mois, également n'est pas 23 heures, c'est 23 ans, 23 ans de service, 23 ans de protection. C'est vrai, pendant 23 ans ça, bien en pile dans yo qui tombé dans exercice fonction yo, mais ça pas empêché que mobiliser pour quand même yo, eh bien, servir population, hein, servir un pays, servir et 10 départements, servir également toute commune et toute section. Et donc c'est comme ça, et ça lui-même lié. C'était une très bonne ambiance ici à dans parc Sainte-Thérèse, côté la police nationale d'Haïti bat police dominicaine nord 3-0 dans match de gala dans l'occasion 23e anniversaire police nationale d'Haïti. Avant ça, on a gagné matin un marathon qui était fait. Donc côté sportif, nous avons fait le courir, sauté piste aviation, passé route aéroport, descendre Maïgaté également, mesdames, messieurs, pour Yoterranio. Donc sous place Claire Sinan devant base Binan. Voilà, mesdames, messieurs, nous saluer encore une fois direction production technique et la direction des sports qui t'est motivé, mobilisé pour te permettre de vivre festivité sa yo dans le cadre 23e anniversaire pour l'Institut nationale d'Haïti. Nous t'es en direct depuis dans le parc Sainte-Thérèse Pétionville. Non pas, c'est Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Nous avons surtout passé une très bonne soirée et une très bonne semaine sur grand réseau RTNH là.
studio reprend l'antenne. Merci à tous et à toutes.